Kinder Délice maison, eh bien c'est ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Tous les ingrédients ainsi que le matériel que j'utilise pendant la recette sont à retrouver juste là, dans la description. Et je vous laisse la découvrir tout de suite, en images. Je commence par verser dans le bol du robot du sucre en poudre, des œufs, et je fouette l'ensemble pendant une bonne dizaine de minutes jusqu'à ce que le mélange double, même triple de volume. J'ajoute ensuite du cacao amer que je tamise. De la farine que je tamise également. Et je fouette le tout très légèrement en vitesse lente, donc juste quelques secondes pour ne pas faire retomber ma préparation. Et je continue de mélanger très délicatement à l'aide d'une marise. Quand tout est bien incorporé, je dépose mon appareil dans un plat rectangulaire que j'ai recouvert de papier cuisson et que j'ai bien beurré. Ma préparation part en cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés pour 15 à 20 minutes en mode statique. Pendant le temps de cuisson, je réalise maintenant le sirop en déposant du sucre et de l'eau dans une casserole. J'ajoute de la vanille liquide et je fais bouillir le tout pour que le sirop épaississe. Quand c'est le cas, je le dépose dans un contenant et je le laisse refroidir tranquillement à température ambiante. Dès la sortie du four, je dépose ma génoise sur une grille et je la laisse tranquillement refroidir. Je réalise maintenant la délicieuse crème qui va garnir mon Kinder Délice en déposant du mascarpone et de la crème liquide bien froide, du sucre glace dans un saladier ou un cul de poule et de la vanille liquide. Je fouette le tout jusqu'à obtenir une belle chantilly. Lorsque celle-ci est bien épaisse et bien onctueuse, je la réserve au frais. Je passe maintenant au montage. Je reprends ma génoise. Je la coupe en deux. Et je la badigeonne généreusement de sirop. Je reprends ma crème, je la dépose sur un des rectangles que j'ai découpé. Je dépose mon deuxième rectangle sur le premier badigeonné de crème. Je lisse les côtés. Et je réserve mon gâteau au réfrigérateur. Je passe maintenant au glaçage en versant de la crème liquide dans une casserole et je la fais bouillir. Je prépare du chocolat dans un saladier ou un cul de poule. Quand la crème est bien bouillante, je la verse en une fois sur le chocolat. J'attends quelques petites secondes et je mélange à l'aide d'une marise. Lorsque tout est bien incorporé, j'ajoute du beurre qui doit être pommade, donc mou, et je mélange à nouveau. Mon glaçage est prêt, je le mets de côté, je le laisse complètement refroidir. Lorsqu'il est complètement froid, je le verse sur mon gâteau. Alors moi, j'ai laissé un peu trop longtemps à température ambiante, donc il a un peu trop durci. L'idéal, c'est quand il est un peu plus coulant.
Je conserve un peu de fondant que je dépose dans un cornet. On peut aussi utiliser une poche à douille ou un sac congélation. Et je dessine le fameux dessin du Kinder Delice le mieux possible. Je réserve ensuite le Kinder Delice au frais, le temps que le glaçage durcisse. Il est maintenant prêt, place à la dégustation. On va pouvoir se régaler. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à liker si c'est le cas, pensez à vous abonner. Vous retrouvez plein d'autres recettes sur quandmargotpâtisse.com. A très vite pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous.